Comment nous les amis yo? M'ta dit nous bonjour mais en retard là. M'pa de gen chance non pour m'te ba nous pain quotidien matin. Mais il pas j'aime trop tard non là pour m'ba nous là à midi là. Parce que gon ti proverbe qui dit plutôt miser en route mais pour porter bon nouvelle. M'te vle encourager nous dans Matthieu 5. Verset 13 là qui dit nous c'est sel pour monde sous terre ça nous c'est sel pour monde là si celle là perdit goul qui ça qui cabal goul encore ça veut dire yon chrétien ta doit goul alors nous connaît sel fait un pile bagaille sel grand pile utilité maintenant verset là nous voyons que Jésus-Christ dit nous c'est sel pour le monde là si sel là perdit goul pas gagné qui cabal goul ça veut dire chrétien t'a dû goût nous t'a dû bay mon appétit le on mange goût qu'on est ça ba ou appétit ça font envie manger le plus même bouche ou niché que si moi même assiette là ou niché tout papa. Donc t'as de manger à goût tout bon vrai on y chez bouche on y chez droite yo on y chez qui est même assiette là on y chez ça c'est les manger à bon ça veut dire chrétien doit goût ou doit bay mon goût doit bay mon appétit alors chrétien nous pas ta doué fade ni salé nous connait on manger qui fade. Il y a un goût. Moi, je vais les mesdames et seigneurs. Mesdames et seigneurs, de façon, les arrivent dans le mariage, ils montent sous table, ils ont pris à manger. Et puis, ils ont goûté à manger, ils ont pris un goût à manger. Si manger à manquer sel ou ils font mine, ils marient mine, qui est-ce qui fait manger ça? Mais ça n'a pas bon. Mais ça n'a pas goût. Puis, les mesdames et seigneurs, toujours à checker manger les gens. Parce que c'est yok plus fort et tout ou pète dans tête c'est yok plus fort dans faire manger. Alors ou connait manger a li doit gen bon sel. Si manger a manquer sel, li pa go. Et si manger a salé tout, manger a ba répiance tout. Alors chrétien pa ta doit ni fade ni salé. Même gens manger a pa doit ni fade ni salé, mais chrétien pa ta doit ni fade ni salé. Gen chrétien qui fade. Yo pa bay moun goût même. Yo pa bay moun aucun goût. Yo pa fè aucun moun. Yo pa attire aucun moun comme si dans l'évangile là dans façon yo agi dans jan nou comporter nous. Ko sa tout gen chrétien qui sale tout. Qui prend pose tellement spirituel yo. Yo fè moun yo même ka fè moun pèl l'évangile là. Yo même fè l'autre chrétien senti que yo pa chrétien. Tellement yo tout prend pose que c'est yo qui pi saint. C'est yo qui gen bon Dieu a pour compte yo. Ah, c'est pas comme ça le doyer. Bon Dieu dit nous doit goût. Nous doit goût, nous doit bay moun goût. Chrétien doit bay moun goût. Est-ce qu'on bay moun goût? L'autre bagaille encore. Et l'homme mange sel, il faut soif. Alors chrétien attitude nous ta doit faire moun soif. J'en ai vivre d'a dû faire un autre monde soif l'évangile là tout t'a dû faire un autre monde soif tempérament nous j'en ai fonctionné faut que nous baï goût bon goût qui rete dans bouche moun et faut nous faire monde soif tout soif de attitude nous soif de comportement nous soif comment n'a marcher dans l'évangile là soif Jésus-Christ soif parole Jésus-Christ là. Eh bien, c'est ça, Jésus-Christ m'a dit pour nous, faut que nous soyons sel pour le monde, ça. Zamim, bat pour toujours quitter yon goût dans la bouche, moun ou gen contact ensemble avec yo, moun ki bokoto yo. Ki bon Dieu bénisse nous chaque qui tape tant de paroles, ça. Ciao, ciao.